Salut tout le monde, c'est CN, j'espère que vous allez bien. Moi savoir aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier épisode de Retout Thierry Henry 87 en achat-revente. Avant de commencer cet épisode, si vous ne connaissez pas les règles de cette série d'achat-revente, n'hésitez pas à aller voir l'épisode 0 dans lequel vous trouverez toutes les explications dont vous avez besoin pour vraiment comprendre le concept de ces vidéos. Le lien est dans la vidéo. Donc, commençons directement. Alors, pourquoi j'ai choisi Thierry Henry 87, alors, parce que j'aime vraiment beaucoup Thierry Henry et j'aurais vraiment bien aimé le tester. Alors, c'est pour ça que je l'ai choisi. Le Thierry Henry coûte plus ou moins 1,2 million. Donc, voilà, c'est pas une icône ultra, ultra chère quand on fait de la charvente. Il y a vraiment moyen d'y arriver. Une chose que je n'ai pas précisé dans l'épisode 0, c'est simplement que, évidemment, il faudra acheter l'icône, mais aussi pouvoir acheter une équipe autour. Ça semble assez logique. Évidemment, je vais pas acheter Thierry Henry à 1,2 million et puis voilà j'ai plus de crédit donc il faudra aussi un peu faire des crédits pour pouvoir se payer une équipe autour donc certainement que je partirai dans une équipe française je pense que ça pourrait faire le taf commençons directement cet épisode avec le bénéf transfert donc, donc je commence avec 820 000 crédits et 562 000 crédits donc voilà c'est avec ça qu'on va commencer donc j'ai commencé la semaine en investissant à 1h du matin le lundi pendant les récompenses clash d'équipe. Alors pourquoi Parce que simplement les prix diminuent à ce moment et donc c'est beaucoup plus intéressant d'acheter les joueurs à ce moment-là, vu qu'ils vont tomber dans les packs. Et donc évidemment, il y en aura plus sur le marché, ce qui va faire que ben, les joueurs vont pendant une petite période vont diminuer. Et c'est à ce moment-là que j'ai acheté mes joueurs. Donc j'en ai pas acheté énormément parce que c'était, je pense, la première fois. Je préférais la tester d'abord, même si. On sait tous qu'elle marche très bien. Mais voilà, j'en avais jamais fait. Donc, je préférais vraiment voir comment c'est. Et ça a très, très bien marché. Donc, voilà, là, vous voyez tous mes achats. J'en ai pas fait énormément. Ouais, vraiment très tôt le lundi. Donc, voilà, je vous laisse défiler ça. J'ai fait aussi un peu tech, euh, tech millionnaire, on va dire, sur des joueurs qui valent un peu moins de 10 000 crédits, comme Ederson ou Alves. Ne vous inquiétez pas, toutes les ventes que j'ai faites vont être montrées à la fin de la vidéo, comme ça vous avez vraiment la preuve que ben, j'ai bien vendu. La deuxième tech que j'ai utilisée pendant la semaine, ça a été la tech changement de poste, alors une tech vraiment très très utile et qui m'a permis vraiment d'augmenter mes crédits pendant les moments où il ne fallait pas trop investir en tech avion sur des plus gros joueurs ou en tech boost ou tout ce que vous voulez. C'est une tech vraiment qui est semblable vraiment à la tech fut millionnaire puisqu'il y a une petite liste de joueurs mais il y a une petite subtilité c'est à dire que tout va reposer sur des joueurs qui ont euh, subi un changement de poste donc l'explication par exemple vous voyez actuellement sur votre écran Kovacic qui est un MC de base moi je vais aller plus le chercher soit en MOC soit en MDC moi je l'ai pris plus en MDC parce qu'il a pas trop parce qu'il a pas une énorme stat en tir donc j'ai préféré le prendre plus en MDC mais vous pouvez évidemment le prendre en MOC. Et donc je le cherche simplement son prix minimum de sa carte de base qui a 2000 je pense c'était ça. Et après je suis parti chercher ben, en changement de poste. Là je vois que il ben, y a plus ou moins 1000 crédits de différence donc je vais aller voir s'il n'y a pas de joueur plus cher on va dire. Et là ben, ben, je, ben, voilà je me rends compte simplement que ça peut être Très intéressant de l'acheter. Et par la suite, je vais simplement le revendre entre 1000, 1500, voire 2000 crédits. C'est vraiment à vous de voir. Si vous voyez qu'il y a quand même pas mal de joueurs, ben, vous allez pas non plus mettre 3000 crédits en plus. Mais voilà, c'est vraiment à vous de voir. C'est au feeling. Je pense que quand vous faites de l'achat à revendre, vous avez ce, ce petit ressenti qui va vous faire prendre la bonne décision. Moi, pour l'instant, j'ai pris des bonnes décisions. Et donc, euh, voilà. La plupart du temps, ça se situe plus aux alentours de 1500. Donc, je vais revendre à un joueur à 1700, à 1400. Donc voilà, c'est vraiment une très très bonne tech. J'ai aussi vérifié que, par exemple, en achetant un joueur à 2000 crédits et en relistant 1500 plus cher, soit à 3500 crédits, on se fait plus ou moins 1300 de bénéfices. Donc imaginez-vous, si en une journée vous faites, bon, on va dire 10 ventes, vous faites déjà plus de 13000 crédits. Le double, vous allez vous faire 26000 crédits, etc., etc. Donc c'est vraiment une technique très très bonne qui va vous permettre vraiment d'augmenter les crédits. Si vous voulez une vidéo qui parle exclusivement de cette tech, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous la ferai vraiment sans problème. C'est une tech vraiment très très efficace parce que peu de gens, on va dire, la connaissent et je trouve que ça vaut vraiment le coup. Si vous faites de la tech fuite millionnaire, vous pouvez très bien la faire en faisant aussi cette tech de changement de poste et vous allez voir que ça va vraiment bien augmenter vos crédits. Donc j'ai enchaîné le jeudi soir à 19h avec la tech avion. Donc j'ai réinvesti. Là, vous allez voir vraiment que j'ai été beaucoup plus entre guillemets sérieux au niveau de ça parce que j'ai investi parce que j'ai investi sur vraiment beaucoup, beaucoup de joueurs. Vous le verrez dans un instant. Donc voilà mes achats. Je n'ai pas pu tout filmer parce que j'ai été ban du marché. Donc j'ai dû aller sur la page internet de YE. Mais là, vous voyez quelques achats que j'ai fait. Ça a valu vraiment le coup. Ça m'a bien augmenté euh, mes crédits. Donc vous voyez quand même que j'ai investi sur pas mal de joueurs, comme du Maria, Philippe Luis, Van Day, Casimiro, Miranda. Ils se sont vraiment tous, tous vendus. Le dernier, je pense que ça a été euh, Werner ou alors ça a été euh, Gomez qui, qui sont, à, sont partis, je pense, le vendredi soir ou peut-être le samedi matin, je me souviens plus trop. Mais vraiment, ils sont vraiment quasi tous partis lors de la nuit euh, de jeudi à vendredi quand je les avais listés la première fois. Ils sont vraiment partis tous à ce moment. J'ai fait quand même quelques bons achats sur certains des joueurs, comme sur Casimiro, que j'ai acheté à plus ou moins 38 000, je pense, et que je l'ai revendu à 47 je pense, ou 48 000, Donc, pour vous dire que ben, ça a bien valu le coup. Et donc terminons cette vidéo avec toutes les ventes que j'ai faites pendant la semaine, donc pendant trois, jours, enfin pendant cinq jours, mais j'ai investi seulement pendant trois jours. Donc c'est vraiment sur trois jours que j'ai acheté tous ces joueurs. Comme vous voyez vraiment il y a de la tech changement de poste, il y a de la tech avion et euh, vraiment. Servez-vous des joueurs que vous voyez là actuellement pour vous aider vraiment si vous voulez une vidéo n'hésitez pas à me le dire je vous ferai vraiment volontairement une vidéo euh, tutoriel sur euh, la tech changement de poste je vous donnerai une petite liste de joueurs que, que j'utilise actuellement donc là vous voyez voilà les joueurs qui défilent et euh, vraiment une technique très 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 bonne je trouve je suis passé à 1 million de bénéfices transferts, rappelons-nous, on a commencé à 820 000, donc je me suis fait plus ou moins 180 000 crédits en 3 jours, parce que j'ai investi que sur 3 jours, j'ai pas eu le temps, là je vous montre aussi euh, mon bénéfice transfert de la semaine, donc 177 000, voilà, de bénéfices transfert. bon je sais pas où sont passés les 3 000, parce que normalement on a 180 000, mais voilà. Donc je pense qu'une semaine plutôt réussie, évidemment je suis bien d'accord que certains font beaucoup plus. Je pense que j'aurais pu avoir beaucoup plus si j'avais si investi le lundi matin. Mais donc c'est une bonne petite semaine d'achat-revente. Si cette série de vidéos, si cette vidéo tout simplement te plaît, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. N'hésite vraiment pas à me dire ce que as pensé de cette vidéo. Ça m'aiderait vraiment beaucoup pour l'améliorer. Peut-être que vous avez deux, trois idées pour améliorer, pour que ce soit beaucoup plus complet. N'hésitez pas vraiment à me dire ce que je pourrais changer au niveau de la vidéo, si ça vous a plu ou pas. Tout ça, c'est dans les commentaires. C'était Sean. Ciao les gars.